Bonsoir à tous. Alors, ça a été un match difficile pour nous. Mas também esperávamos que fosse um sintético em frente, uma geração, porque este é um sintético de uma geração. C'est vrai qu'on était préparé pour venir jouer sur du synthétique. Sincèrement, je pensais que pour un match d'une compétition comme elle est maintenant, ça aurait été un synthétique de dernière génération. Não é fácil preparar um jogo com dois dias para um jogo num sintético. Se perguntarem aos jogadores se gostam de jogar num sintético, eles dizem que não gostam. Tout simplement, c'est pas facile de préparer un match sur du terrain synthétique en deux jours. Et si vous demandez l'opinion à tous les joueurs professionnels, aucun joueur n'aime jouer sur le terrain synthétique. Não é fácil, é preciso uma continuidade de habituamento, estarmos todos os dias a treinar no sintético para nos adaptar às condições. Pour pouvoir bien jouer sur du synthétique, il faut s'entraîner régulièrement sur le synthétique pour pouvoir s'adapter au mieux aux conditions de terrain, tout simplement. Du Cap-Vert, Choupo-Moting. Il est venu, il avait des petites douleurs lombaires qui se sont aggravées tout simplement avec le match et les entraînements. Le traitement du département médical, estava em dúvida, de certa maneira, estava em dúvida para jogar com o Cap-Vert, mas ele disponibilizou-se a dizer que estava a 100% e jogou. Mas com a viagem, depois do jogo de Cap-Vert, com a viagem para cá, com o treino de ontem, sentiu alguma moléstia, incapacidade para poder dar o máximo para a equipa. Por isso, ficou fora. Tout simplement, l'option de Choupo rester dans les tribunes, c'est dû à la douleur lombaire. On a fait une réunion avec le staff technique et le joueur pour savoir comment il se sentait. Avant le match du Cap-Vert, il avait déjà une douleur. Il s'est sacrifié pour pouvoir jouer contre le Cap-Vert et la fin de bon match. Avec les voyages, de voyager, et ici les entraînements qu'on a eu ici aussi, malheureusement ça s'est aggravé et on a préféré tout simplement de mettre quelqu'un qui était en condition à la place de Choupo. Ganhar é sempre bom, seja que seja já se for, as equipas constroem-se com vitória. Ganhar é sempre positivo e para construir as equipas é muito importante de poder ganhar. Nós tivemos nestes três jogos algumas coincidências. Nós, sobre os três jogos que nós fizemos, desde que estou lá, tivemos muitas coincidências sobre os três jogos. Uma delas tem a ver com o capítulo da finalização. Na Tunísia tivemos 5 ou 6 situações com 8 gols, não marcamos. Cabo Verde, tivemos 4 ou 5 situações e não marcamos. Hoje tivemos aqui 4 ou 5 situações, só fizemos um gol. Portanto, isto é trabalho e nós precisamos de tempo para trabalhar. É aquela coisa que não temos, é tempo para trabalhar. Alors, par rapport aux 3 matchs, on a eu beaucoup de coïncidences. On a eu sur les 3 matchs des volumes offensifs, on a eu des occasions claires pour marquer des buts. À la Tunisie, on a 4-5 opportunités, on ne marque pas. Contre le Cap-Vert, on a 4-5 opportunités, on ne marque pas. Aujourd'hui, on a 4-5 opportunités, on marque un but. Donc voilà, ça ce sont des situations qui se travaillent. Malheureusement, on n'a pas eu le temps pour travailler. Donc voilà, maintenant il faut continuer à travailler. Nous espérons, et notre foco no travail, tem a ver não no travail de campo, que os jogadores agora vão regressar aos clubes, e o nosso trabalho será outro, observação, análise, tentar trazer ao espaço da seleção de Cabo Verde, dos Camarões, os jogadores possam trazer mais capacidade, mais solução ao nosso jogo. Alors, par rapport ao trabalho que vai ser feito a partir de maintenant jusqu'au mois de mars, c'est logiquement, on ne va pas avoir un travail d'entraînement sur les terrains parce que les joueurs ils vont être dans leur club. Notre travail, tout simplement, ça va être analyse. On va analyser et observer plusieurs joueurs partout dans le monde, tous les joueurs camerounais, on les observe. Pourquoi ? Essayer de découvrir des joueurs qui puissent venir dans l'espace de la sélection, apporter quelque chose que cette sélection n'a pas. Donc ça c'est un travail très long, c'est un travail qui demande du temps. Et ça va être le futur travail, donc les 3 prochains mois, à travailler, voir, analyser, observer, pour ramener et préparer l'équipe pour le mois de mars, tout simplement. Pour terminer, nous avons 2 objectifs dans ce moment, nos prochains temps. Nous avons 2 objectifs. Premier, faire observation aux joueurs qui peuvent intégrer l'espace de sélection et compter nesta fase de qualificação com o CAN, de uma forma séria, e fazer o melhor neste trajeto, para depois podermos, na fase final do CAN, estarmos com o melhor grupo para poder fazer isso aí, em termos de andamento para... Então, lá, por um momento, há 2 objetivos, c'est tout simplement continuer a fazer esse trabalho de análise e de observação sobre todos os jogadores camerounais,
et par la suite créer un bon groupe. Et la compétition, très importante pour lui, tous les matchs on les prend pour gagner, il faut qu'on soit apte pour la compétition et lorsqu'on va arriver sur la phase finale, tout simplement avoir le meilleur groupe possible.